ferait un moment que Jeannette n'était pas là. Je peux pas t'imaginer ce que c'est horrible de rentrer seule dans une maison vide. Qu'est-ce que t'as fait? T'as pris ta pilule? Quelle pilule? Oh. Oui, pourquoi? Tu t'es fait mal? De Jeannette. La police, ils l'ont reconvoqué cet après-midi. Ça là, ils emmerdent tout le monde. C'est assez bête, tu sais, mais la première fois, elle leur a dit qu'elle était avec sa sœur la nuit où Benson est morte. Mais il était pas? Non. Elle était à Genève. Elle a un amant là-bas. Un type marié. Sa femme travaille la nuit. Et alors? Elle est rentrée à 5h du matin. Il paraît que tu n'étais pas couché. Elle leur a dit ça? Certainement, oui. Elle est folle ou prétend-elle m'avoir vu? Elle dit pas qu'elle t'a vu. Elle dit qu'il y avait de la lumière dans la salle de bain. C'est la note d'électricité qui te préoccupe? Oh, écoute, c'est peut-être grave. La police peut s'imaginer n'importe quoi. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, je m'en fous. À 5 heures, tu étais debout? C'est bien possible, je regarde pas toujours l'heure quand je vais pisser. T'es pas sorti de la maison. Pourquoi tu me soupçonnes, toi aussi? Je te soupçonne pas, Eric. Éteins ta cigarette. Je t'ai déjà dit de pas fumer au lit. C'est l'orage qui m'empêche de dormir. Viens te coucher, tu vas prendre froid. Ça me rappelle les bombardements à Brest, quand on descendait dans la cave. Tu peux pas imaginer ça. Oh, je me doute. J'avais 6 ans. J'étais seul. Éteins. Éteins!